Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, des parcours inspirants et des paroles d'experts. Je suis avec Margot Kra. On va parler de I Wanna Bees, un nouveau réseau à Londres. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Vous pensiez que la plus célèbre des abeilles était Maya l'abeille? Eh bien non, c'est Margot qui est avec nous aujourd'hui. Pour la seconde fois, on se retrouve sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Margot, bonjour. Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde. Je suis enchantée d'être de retour à l'antenne. Eh bien, je suis très content de pouvoir parler avec toi de ce nouveau réseau professionnel féminin à Londres. Londres est quand même une énorme communauté d'expats. On va parler d'abord de ton parcours. Tout commence à Valenciennes. Et c'est là que tu commences à faire ton métier dans le monde de la coiffure. Une passion depuis toujours ? Exactement. Je suis fille de coiffeuse et ma grand-mère était coiffeuse aussi. Donc je pense que c'est dans les gènes. C'est assez naturel qu'il y a 7 ans, lorsque tu arrives à Londres, tu te lances dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Tu crées un puis deux salons. Ça fonctionne plutôt très bien, même si ça a été dur pendant la période Covid. Aujourd'hui, les affaires sont florissantes. C'est ça, que du positif. Tu décides de monter une école en ligne pour former les coiffeurs. Toujours pratique d'avoir ça sous la main, qui continue à tourner aussi. Et tu es très impliqué dans une association de lutte contre le cancer du sein, Future Dreams, un petit mot? Oui, Future Dreams, c'est donc une association qui est très grande en Angleterre et j'aide en fait les patientes avant et après leur traitement et leur chimiothérapie quand elles sont atteintes du cancer du sein. Alors, on a remarqué que tu étais une femme dynamique, qui avait plusieurs projets en même temps. Tu arrives à tout mener, tu arrives à dormir un peu de temps en temps quand même? Je dors très bien, je rêve beaucoup. Alors justement, parle-moi de ce rêve. Je suppose que c'est lors d'une nuit, ou je ne sais pas quelle raison, tu t'es dit qu'il manquait un réseau d'entraide sur la capitale anglaise. Et c'est ainsi que I Wanna Bees va naître. L'idée de départ, c'est au salon d'ailleurs, pour être précis, pas dans ton lit. Oui, c'était dans un de mes salons de coiffure, tout simplement. Pendant des mois, en fait, les clientes me demandaient tout le temps, vous savez, quand la couleur pose ou le balayage, qui est une technique bien française de coloration, les clientes me demandaient toujours, Margot, est-ce que tu aurais les coordonnées d'une psychologue? Est-ce que tu aurais la coordonnée d'un agent immobilier, d'un studio de yoga sympa? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des questions qui revenaient et on me demandait souvent de partager mon réseau. Et étant coiffeuse, j'ai un réseau qui est assez grand et de qualité. Donc, ça me faisait vraiment plaisir de toujours partager les contacts des autres Françaises à Londres. J'allais te poser la question comme ça, naturellement, étant un garçon, pourquoi tu ne t'intéresses qu'aux filles? Parce que I Wanna Bees, c'est une ruche pour les abeilles et c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de réseaux en fait, autant pour les hommes que pour les femmes à Londres, mais il n'y avait pas de réseau spécifique aux femmes expatriées qui sont soit entrepreneuses, soit professionnelles ou des expats tout simplement. Alors est-ce que c'est dans le salon ou dans ton lit que tu as eu l'idée du nom de ce réseau, I Wanna Bees? Je l'ai eu grâce aux Spice Girls, ah. I Wanna Bees. Tout le monde connaît cette musique et c'est juste une musique qui me donne des ailes quand je l'entends. Bah, elle fait partie, je pense, des 5 chansons qui donnent le plus de joie avec la chanson de Queen, oui. Don't Stop Me Now. Mais c'est vrai que c'est des chansons, on les entend, ça fait du bien. I Wanna Bees avec cette petite référence pour les petites abeilles qui travaillent. Oui, pour la ruche. Parce que tout simplement, les abeilles butinent et c'est vrai que la ruche, c'est vraiment l'atmosphère que je voulais créer, quelque chose de coloré où il y a beaucoup d'entraide et vraiment un réseau, un collectif d'entrepreneurs et d'entraide pour les femmes à Londres. Donc, alors, la ruche, on a tout bien compris. Résultat, entre l'idée et la concrétisation, ça traîne jamais avec Margot? Non. Ça a pris, en fait, l'idée est arrivée il y a 6 semaines dans ma tête. Et en fait, il y a un mois, on a créé le premier événement à The Earth. Alors, on va justement zoomer un peu parce que ce n'est pas un réseau où on va boire un coup comme ça peut exister. C'est un réseau qui travaille directement avec des ateliers, des workshops. Exactement. En fait, donc la ruche, c'est un espace créatif où tout simplement, on a 3 objectifs. Construire un réseau, bien sûr, mais surtout de partager les expériences et de trouver un soutien nécessaire à notre réussite. Donc, en fait, on a des formats sous forme d'ateliers de 2 heures, des breakfasts, enfin, un petit déjeuner, où en fait, on va travailler sur des thématiques avec des intervenantes pour aider les entrepreneurs à avancer grâce à la ruche.
Donc, j'imagine qu'à chaque fois, on est sur des thématiques très précises avec des réponses très concrètes. Exactement. Gestion du stress, comment pitcher, négociation d'un bail commercial et tout ce qui s'ensuit. On a des beaux ateliers qui arrivent du coup après l'été. Alors, on a déjà pas de chiffres sur le nombre de Français qui vivent à Londres. Je suppose que avoir un chiffre sur le nombre de femmes entrepreneuses, c'est encore plus obscur. Mais tu as idée justement de toute cette population qui peut être intéressée par ton réseau ? Eh bien, il y a énormément de femmes à Londres qui sont bien sûr des entrepreneurs, mais aussi des professionnels qui aiment le business ou des expatriés qui aimeraient juste créer leur business. Il y en a énormément. Donc déjà, pour l'instant, sur seulement 6 semaines depuis que j'ai lancé l'idée, qui était qu'un projet, j'ai quand même déjà plus de 300 femmes répertoriées, ce qui est un réel succès. Et la ruche, en fait, grandit à toute vitesse, donc c'est fantastique. Est-ce que tu peux revenir un peu dans ta mémoire et te dire quels ont été les obstacles et les blocages quand tu as créé ton premier puis ton deuxième salon ? Il y avait des interrogations comme ça que tu avais et sans réponse ? Oui, il y en avait beaucoup, bien sûr. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir été entourée au début a été pour moi très compliqué en tant qu'entrepreneur. Et mon idée, en fait, via la ruche, c'est vraiment de pouvoir aider ces femmes entrepreneurs comme moi. J'aurais souhaité être entourée il y a 7 ans quand je suis arrivée à Londres. J'imagine, par exemple, un bail commercial, c'est pas pareil à Londres que quand on est en France, qu'il faut connaître les bons réseaux, faut pas faire d'erreurs, faut éviter de se faire arnaquer aussi. C'est dans cet esprit-là que tu proposes I Wanna Biz. Exactement, même le fait de créer ta communauté, de tout ce qui est le retour de sur les taxes, le côté en fait autant légal que social et communautaire, en fait il y a beaucoup de choses qui sont très différentes de la France, donc il faut être bien entouré et surtout bien aiguillé. Alors il y a le site internet iwannabiz.com, si des femmes entrepreneurs sur Londres sont intéressées, elles peuvent se rendre sur le site. Et puis un calendrier d'ateliers qui se met en place tout doucement, tu as déjà prévu dans les prochaines semaines des rendez-vous. Voilà, exactement. Donc en fait, l'événement de la rentrée sera le samedi 7 septembre à 13h, où on va concocter un après-midi, un retreat pour les femmes. Donc ça va être un après-midi entier. Et ensuite, à partir du 10 septembre, les premiers ateliers vont être annoncés la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, jusque fin novembre. Et ce sera 2 ateliers par mois sur des thématiques spécifiques avec des entrepreneurs qui sont géniales, mais aussi des intervenantes de qualité. Et ça, j'en suis très fière. Margot, ça coûte combien de rentrer dans le réseau ? Alors, pour l'instant, c'est pas payant de rentrer dans le réseau. C'est des one-shot pour les ateliers. Par contre, pour rentrer à nos soirées networking, là, ça va être bien sûr un membership. Ouais, une participation aux frais pour la structure qui vous accueille. Pour le cash flow, tout simplement, pour pouvoir faire fonctionner la ruche. Eh bien, Margot, voilà une bien belle idée. Je pense qu'il y a du monde qui va te rejoindre hein, sur ce projet. Ouais, ça va bourdonner, comme on dit. Je suis enchantée et vraiment, j'espère que dans 10 ans, on écoutera cette interview en se disant tu te souviens Gauthier où ça a commencé parce que c'est ça aujourd'hui là avec toi. Quels sont tes autres projets, petite abeille travailleuse dans le futur pour toi? T'as d'autres choses qui arrivent? Oui, je suis en train de travailler sur la création de produits de ma marque capillaire, donc c'est un très très gros projet où j'ai des associés qui sont fantastiques sur ce projet et ça va, j'espère, bientôt prendre le jour, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dessus, parce que pour faire quelque chose de qualité, eh bien, il faut du temps. Et le deuxième projet, c'est de travailler avec le NHS, donc qui est les hôpitaux en Angleterre, tout simplement, l'hôpital public, pour en fait créer des formations pour les coiffeurs dans les écoles, pour former les coiffeurs à gérer les clientes quand elles sont malades et savoir comment réagir sur le côté psychologique. Donc, je travaille avec des médecins. Voilà. Margot, et espérer qu'un jour dans les écoles, eh bien les coiffeurs pourront, en sortie d'école, gérer aussi les clientes quand elles ont des moments difficiles dans leur vie. Et ça me tient beaucoup à cœur. Eh bien, 2 très bonnes nouvelles, puisque ce sera l'occasion pour nous de nous retrouver sur cette radio et pour pouvoir échanger ensemble. Je te souhaite du coup un bel été, de bien faire grandir cette ruche. Et au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier, merci à tout le monde. France est dans le monde.